Michel Bernier dézingué, je trouve ne joue pas bien. Michel Bernier s'est construite une carrière en misant sur ses talents d'humoriste en livrant ses tranches de vie mais également comme comédienne. Fille du célèbre professeur Choron, elle a fait ses armes dans le théâtre de Bouvard. Avant de former un trio avec Mimi Mathy et Isabelle de Botton, en tant que comédienne. Elle fait également des éclats et c'est ainsi qu'elle a été choisie pour jouer dans La Stagiaire. Un rôle d'agricultrice reconvertie dans la magistrature qui lui a valu un beau succès. Concrétisé avec cette saison. Cependant, l'ex-compagne de Bruno Gaxio a suscité des réactions partagées en raison d'un autre et récent rôle. Michel Bernier a été choisi pour incarner la mère de la victime dans Le Mystère d'Aval. Réalisé par Christophe Lamotte pour TF1 et diffusé au mois de septembre dernier. Il s'agit d'une fiction librement inspirée du féminicide survenu en Haute-Saône. Et adaptée du livre L'affaire Alexia Daval, la vraie histoire de Laurent Bruau et Christophe Dubois. Avec ce téléfilm auquel a également participé Thierry Neuvik, TF1 veut se faire le relais de grands phénomènes de société qui marquent la France à travers des faits divers qui font l'actualité pendant des mois, indiquait la chaîne. Style Diva place Hold et A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Diva. A place Hold et A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, style. Alors que l'affaire Daval a refait surface avec la sortie du livre de Martine Henri Moy. Maman de Jonathan, édition Michalon, son autrice et mère du meurtrier a donné son avis sur cette production télévisuelle qui revient sur ce qu'elle a vécu. Elle explique comment ce téléfilm, qu'elle ne cautionnait pas, a mis dans une situation délicate son fils avec une piqûre de notoriété dont on se serait bien passé. Elle est incarnée à l'écran par Marie Berthaud, actrice, scénariste et réalisatrice belge qu'on a pu voir dans la série Luther ou encore Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Mais ce n'est pas cette comédienne dont va parler la mère de Jonathan Daval, mais celle qui s'est glissée dans la peau d'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, Michel Bernier. Selon l'auteur du livre, la reconstitution sonne faux, mais ce n'est pas tout, d'habitude. J'aime bien Michel Bernier, mais là, pour une fois, je trouve qu'elle ne joue pas bien. Et elle ne ressemble pas du tout à Isabelle Fouillot et l'ajoute, Gaumont a aussi acheté les droits du livre des parents d'Alexia. Ils veulent en faire une série. Comme j'ai dit à l'Est républicain, il faut laisser les gens tranquilles, et les morts aussi. Guillaumet. Moi, maman de Jonathan de Martine Henry aux éditions Michalon.